Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager mes achats que j'ai fait à Noz et à Tati. Donc principalement à Noz. J'ai un petit peu d'achats internet aussi. Pareil, j'ai que deux choses. Mais voilà, je voulais vous faire un haul parce que ça fait longtemps que je fais plus beaucoup de hauls en fait. J'en fais un par mois et puis tout rassembler d'un coup. Là, du coup, ça aurait pas été intéressant puisque Noz, c'est vrai qu'il y a les arrivages très régulièrement. Je me suis dit, je vais leur partager des choses. Je vais commencer d'abord par Tati. Je me suis pris un maquillage. Je me suis pris un mascara à sourcils de chez Maybelline. Donc top, en fait je l'avais déjà. Et c'est vrai que j'avais pas essayé avant. Quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit mince, je l'ai en stock, je l'ai pas encore essayé. Est-ce que ça va aller si j'en prends un deuxième ou pas? Finalement, ça va très très bien. Alors, la brosse est ultra bizarre. Il y a une grosse boule au bout. Et en fait, je trouve que ça met pas trop de matière en fait. Donc la couleur est parfaite, vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que la boule est assez grosse. Mais la couleur en tout cas est parfaite. Et je me suis dit, au pire, si la boule ça va pas, je coupe le bout ou je coupe les poils, on verra bien. Mais la couleur est parfaite. Si vous êtes châtain, la teinte medium brown, bah, c'est marqué châtain de toute façon. Donc ça ira très bien pour vous. Et ça vaut 4,99 chez Tati. D'ailleurs, en maquillage, j'ai pris que ça parce que j'ai pas encore la marque Make-up Révolution. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que dans ma ville, on a toujours 10 trains de retard. Sachant que pareil, dans Monoprix, on n'a toujours pas la marque The Balm. Et ensuite, je me suis pris un shampoing antipelliculaire ultra doux de chez Garnier qui a coûté 2,59 €. Donc c'est pas franchement moins cher, je pense, que en grande surface. Enfin, je ne sais pas, c'est pour tout type de cheveux. Et sachez que depuis que j'utilise des shampoings typiques pelliculaires, mais c'est d'enfer. J'ai des cheveux de malade. Je n'ai plus de démangeaisons. Je n'ai plus de pellicule. Alors vous voyez, ça fait y a pas très longtemps que je vous en ai parlé, quoi. Ça fait peut-être un ou deux mois. Allez, 2 mois que j'utilise des shampoings antipelliculaires, mais donc avant de vous jeter sur les produits en parapharmacie qui sont quand même contraignants, où il y a des soins à faire, où il faut être régulier et tout ça. Juste prendre un shampoing antipelliculaire, ça vous sauve les cheveux. Et j'ai un gros. Enfin, vraiment, il faut absolument que je vous partage cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui mérite 100 milliards fois plus d'abonnés. Alors, c'est une chaîne YouTube qui fait partie d'une chaîne télé, me semble-t-il. Ça s'appelle On n'est pas des pigeons. J'en ai pas entendu parler dans les chaînes YouTube que je suis, en tout cas. Et je voulais vraiment vous la partager. Il parle de sujets, il parle beaucoup de sujets de beauté, les cosmétiques, il parle de plein de sujets, de tout et de n'importe quoi, de tout ce qu'il y a dans notre maison. Ils se mettent à la place du client, ils font des investigations vraiment poussées, mais qui sont courtes, c'est des vidéos courtes et vraiment hyper explicatives. Ils ont notamment fait une vidéo sur les shampoings. Comment choisir son shampoing? Jamais je me suis dit, mon Dieu, je vais apprendre des choses. C'est fou que ce que vous apprenez en regardant leurs vidéos. Donc en gros, un shampoing, il disait que c'était fait pour laver votre cuir chevelu et pas pour laver vos cheveux. Parce que ça, c'est une matière morte, en gros. Et que ça servait à rien d'acheter des shampoings revitalisants, réparateurs. Voilà, tout ce type de shampoing, ça servait à rien. Puisqu'un shampoing, ça sert simplement à laver votre cuir chevelu. Et qu'il fallait surtout miser sur les soins. Et sinon, il fallait couper ses cheveux, quoi. Un cheveu ne se répare pas, quoi. Donc, je continuerai encore dans les antipelliculaires parce que je trouve que ça respecte énormément le cuir chevelu. Et ça marche du tonnerre sur moi, vraiment. Ensuite, chez Noz, je me suis pris un petit bocal de déco. Alors, j'ai enlevé l'étiquette. Il m'a fait 60 centimes. Donc c'est un petit pot comme ça de déco. J'aime bien parce que j'en ai pas en fait. Je me suis dit, oh, si on m'offre des fleurs, des choses comme ça, ou si j'ai des choses, des pinceaux à mettre dedans, il est trop beau. Alors ça par contre, dans mon magasin, c'était le seul qui était en bon état. Hein. Je les ai tous faits. Ils étaient tous ébréchés, mal peints, ou tous dessous. Faites bien attention parce que ça, on n'y pense pas. Le mien est un petit peu ébréché, je sais pas si vous verrez. Mais quand on le pose, en fait quand on le pose, ça se voit pas du tout. Quand on le pose sur une. J'ai testé, hein.
Mais ça ne se voit pas du tout, donc je l'ai pris, il fait 60 centimes. Super beau, mais par contre, vérifiez bien l'état parce que... Pff, moi, je pense que dans le mien, j'y suis allée à un mauvais moment, entre guillemets, parce qu'il y avait la moitié des bacs vides et l'autre moitié qui était en bazar de fou, quoi. Et ah ouais, j'ai pensé à toi, Jennifer. Donc, au pays de Jenny, franchement, allez voir sa chaîne, elle fait pas mal de haul nose. Et moi, c'est vrai que dans mon nose, quand j'y suis allée, il n'y avait pas du tout les mêmes personnes. Alors, je pense que c'est pour ça aussi. Il n'y avait pas du tout les mêmes personnes que d'habitude. Je pense qu'il doit y avoir un turnover de malade. Et c'est vrai que les gens, on doit avoir beaucoup de pression. Et j'ai un peu sauvé la vie d'un caissier parce que la responsable, franchement, elle leur hurlait dessus. T'avais les clients à côté, elle installait les. Elle faisait de la mise en rayon, encore elle brassait de l'air, quoi. Et elle gueulait sur ses employés, franchement, j'ai trouvé ça horrible. Surtout devant les clients, genre limite, la meuf, elle voulait un. T'as le truc là qu'on a dans les manifestations là, comment c'est un haut-parleur là. Mince, je sais plus. Bref, vous m'avez compris quoi, mais elle hurlait sur eux. Et puis j'arrive à la caisse avec mes produits. Et j'avais un produit qui n'avait pas de prix en fait, je montrerai. Et elle était justement en train de l'engueuler pour lui dire pourquoi t'as ton portable sur toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, elle est vraiment hargneuse quoi. Et il lui dit, bah écoute, j'ai ça, j'ai mon portable sur moi parce qu'on sait jamais si un produit n'a pas de prix. Et moi j'étais là, bah tenez, justement, j'ai un produit qui n'a pas de prix, tu vois. Et il lui dit, bah tu vois, c'est pour ça que j'ai mon portable. Tu sais, pour la remballer. Donc j'ai un peu sauvé la vie parce que. Heureusement parce que. Pff, moi je trouve ça dégueulasse quand on traite les gens comme ça m'est déjà arrivé. Et je trouve ça dégueulasse. Les responsables comme ça qui se sentent pas, franchement, changer de métier, il y en a plein d'autres, hein. Bref. Qu'est-ce que j'ai acheté ensuite? Oui, donc on va passer justement aux produits électroniques, un peu électroniques. En fait, j'ai trouvé des trucs comme ça. C'est des petits bouts de plastique, c'est des anti-slip pads. Donc c'est des pads qu'on met sur le pare-brise pour pas que votre téléphone, vous pouvez mettre vos lunettes, vos clés, vos télécommandes de portail, vos cigarettes, en fait vous collez ça, enfin vous collez ça. C'est un peu un effet statique, donc il faut bien nettoyer votre tableau de bord, vous mettez ça dessus et c'est censé pas bouger, donc voilà. Par contre, si on me pose la question, je ne sais pas du tout si ça marcherait avec des caméras de vlog, hein. Je ne sais pas. Enfin, faut faire attention. Donc j'en ai pris 3 et ça vaut 90 centimes et vous avez plusieurs couleurs. J'ai pris 2 transparents et un bleu. Top, 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 top. Donc ça, j'en voyais beaucoup sur AliExpress, tout ça, j'aime bien. J'aime bien. Toujours mon envie de ne pas commander sur AliExpress, je me dis nose, ça me va pour l'instant. Et un truc que j'ai cherché depuis des millénaires, c'est pour mon père. C'est un protège-tablette. Un protège-tablette, quoi. Mais lui, il a une 7 pouces, 7-8 pouces. Et souvent, un nose, on trouve pour les iPads. Et c'est très 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 dommage parce qu'en plus ils mettent pas bien sûr les pouces parce que je sais pas si c'est convertible en fait. Je sais pas si on peut utiliser une trousse d'iPad pour une tablette normale. Bref, j'ai enfin trouvé. Donc je l'ai pris rouge parce qu'il aime les couleurs pétantes et ça vaut 3,99€. J'ai regardé l'autre jour, on est passé dans le rayon. En rayon Leclerc Multimédia, ça vaut 30€ hein, les protèges tablettes. Hein. Ensuite, des choses pas du tout écolo mais ultra pratiques et je me suis dit ça va me sauver la vie pour ces deux choses à nettoyer, c'est des lingettes. Ouais, je sais, c'est pas écolo. Mais là, alors j'ai pas pris les salles de bain ou cuisine hein, quand même. Hein. Je suis pas du genre lingette pour tout quoi. Non, non, moi j'aime bien les nettoyants écolo, faire attention. Je suis Madame Chiffon ou Madame Éponge, tu vois. Je suis pas trop encore dans le triple lingette à fond quoi. Lingette WC, alors sachez que les lingettes WC plus écolo, plus pas écolo, il n'y a pas quoi en gros. Bref, moi je suis anti, hein, voilà, tout ce qui est écolo, je fais quand même attention, je suis pas écolo à fond, mais j'ai des petites règles à moi-même en fait. Donc j'ai pas appris non plus ce qui est pour tout et n'importe quoi, là c'est vraiment des... Ça c'est des spéciales micro-ondes au citron, je les ai essayées, c'est top. Il y en a 15 dedans pour 80 centimes. Donc sachant que mon micro-ondes, je ne l'utilise pas tout le temps, je ne les nettoie pas à chaque fois que je l'utilise, hein, je ne suis pas maniaque à ce point-là. Et c'est génial, ça diffuse une odeur de citron. Il faut laisser votre micro-ondes fermé. Comme ça, l'odeur se diffuse bien et tout. Donc ils le disent, hein. C'est marqué en espagnol, mais non derrière, il y a toutes les langues. Là, je n'avais pas vu.
Bah oui, en plus, à chaque fois, ouais, j'oublie, ils vous font des étiquettes hein, en français. Et c'est top, ça nettoie très très bien. Et ça, bah, j'en ai pris qu'un, mais peut-être que j'en rachèterai en magasin, je ne sais pas. Et j'ai pris spécial voiture. Ça va me sauver la vie parce que je vous raconte pas l'état de mon tableau de bord en ce moment. Donc ça, je vais le descendre tout de suite. 99 centimes, tiens, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix pour les voitures et les micro-ondes. Bon. Et enfin, bijoux. Donc ça, c'était le produit pas étiqueté, je me souviens. Je me suis pris plein de bijoux comme ça. Donc des perles. Voilà, plein de. Comment ça s'appelle? Pas des pins, mais des. Pas des trucs pendants en fait. Moi j'aime bien les trucs, les petites choses pour les boucles d'oreilles, des nœuds. Et j'ai en fait les deux trous qui manquent en fait, c'est parce que je les ai sur moi. Donc c'est des croix et des petites boules plus petites que celles qui sont là. Voilà. Voilà, je trouvais que ça faisait stylé. Et ça vaut 1,99€. Et en beauté, alors. J'ai vu la marque, il y a beaucoup la marque qui circule là en ce moment, c'est la marque Beauty UK, donc qui veut dire United Kingdom. Ça, c'était Jenny qui m'avait fait rigoler. Bref, Beauty UK, j'ai vu le set de vernis que présente Jennifer, donc au pays de Jenny, elle fait pas mal de haul nose, donc si vous voulez aller voir, je vous invite à aller voir sa chaîne, et elle avait présenté un coffret de 6 ou 7 vernis, celui-ci je l'ai vu. Mais bon, par rapport au prix, par rapport au fait que j'ai beaucoup de vernis, moi ça m'intéressait pas. Par contre, j'ai pas vu le maquillage. Elle présentait des poudres visage et tout, moi je les ai pas vues. Donc, je sais pas, peut-être plus tard. Et donc en beauté, je me suis pris un spray coiffant pour faire des boucles effet plage en fait. Vous savez, voilà, des boucles effet plage. Donc genre, tu te sprays ça et ça va te rassembler un peu les cheveux, ça va faire genre je sors de la piscine quoi. Ça vaut 1,20€, il y en a 200 ml. Je l'ai vu pas mal dans pas mal de vidéos, j'ai jamais essayé. Je me suis dit il faut que j'essaye maintenant et pas à 80 ans. Donc j'ai pris. Et puis ça sent le spray coiffant. J'aime bien. Donc de la marque Just For You. Et ça vaut 1,20€. J'ai également pris de cette marque. Donc ça se présente dans une boîte comme ça. Donc ça c'est une poudre pour les cheveux qui va. C'est une poudre volumisante, voilà. Volumisante. On dit ça comme ça en français, je sais plus. Volumatrice. Poudre pour le volume des cheveux, voilà. On règle le problème. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est vrai que le bouchon il se ferme un peu de travers, mais bon. Donc c'est un petit pot comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un tamis. Enfin, une sorte de ouverture avec des petits trous. Et ça sort une poudre blanche en fait. Donc c'est pas un shampoing sec. Hein. C'est pas un shampoing sec. C'est une poudre qui est censée donner du volume aux cheveux. Donc vous la mettez dans la paume de votre main. Vous frottez comme ça. Et ensuite vous venez vous masser. Alors, quand vous la mettez dans votre main, elle est blanche. Mais quand vous frottez, c'est transparent. Il n'y a plus rien. Et vous sentez que ça colle un tout petit peu. Ça fait un tout petit peu un effet collant. Donc je dirais plutôt que ce serait une laque sous forme de poudre. Et moi personnellement, je l'ai essayé aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc là, j'ai mis du shampoing sec. Mais mes cheveux sont très sales. On ne le voit pas parce que je les attache. Hein. Mais non, ça ne fonctionne pas trop. Donc je vais réessayer peut-être sur des cheveux propres. Mais bon, ça valait 99 centimes. Donc voilà, je voulais vraiment découvrir des choses. Et à ce prix-là, moi, franchement, il n'y a pas de problème. Et dernier produit de chez Nose, j'ai pris un shampoing anti-pelliculaire. Toujours dans ma folie du cuir chevelu. J'adore, j'adore. 85 centimes. Il y avait également fortifiant, nourrissant. Je crois qu'il y avait d'autres trucs si ça vous intéresse. Bon, il n'y a pas de parabène dedans, mais il y a de l'isothiazolinone, hein, du méthylchloroisothiazolinone et du méthylisothiazolinone tout court. Donc bon, c'est les derniers produits, enfin c'est les derniers ingrédients, donc il n'y en a pas des masses. Et voilà, il y a des sulfates. Voilà. Bon, moi c'est pas un problème. C'est bizarre, hein, il y a des produits comme ça anti-pelliculaires qui sont à fond dans le respect du cuir chevelu, tu trouves quand même. Du sulfate et des parabènes, enfin et des remplaçants du parabène dedans, mais bon.
Vous savez, moi je suis pas trop sur la compo des produits. Et enfin, deux derniers produits. Alors j'ai reçu ça aujourd'hui. Je suis trop contente. On reconnaît le truc du chinois, tu vois. Non, je l'ai acheté sur Amazon. Amazon, il y a plein de chinois maintenant. Et j'ai pris ce truc que je voulais depuis des millénaires. Un truc pour nettoyer ses pinceaux. En mint, j'adore la couleur. Il me l'a envoyé en mint, donc j'ai choisi la couleur. Je sais plus combien il m'a coûté, mais trop bien ce truc. Je suis trop contente. Et mon copain s'est pris sur AliExpress. Moi, j'ai pas retenté AliExpress. Lui, il a tenté. On s'attendait pas du tout à une qualité pareille. Alors là, on va passer dans les petites figurines. On s'attendait pas du tout à ça. C'est des figurines. Il en a pris deux. Elles valent 50 centimes l'unité. Franchement, en fait, mon copain avait flashé sur la pop à la base, qui est la pop de Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, mais celui qui est dans un pot, quand il est dans son pot de fleurs en fait. Pas le Groot méchant ou je sais pas s'il y en a d'autres. Et là, par contre, on a vu sur AliExpress, il a flashé, il a vu des mini Groot. Donc c'est pas des pop, hein, c'est juste des figurines. Il s'est rabattu là-dessus parce qu'elles valent 50 centimes. Donc comment vous dire à quoi... Voilà, la taille. Pour vous montrer la taille, je sais pas comment faire en fait, mais pour vous rendiez compte de la taille, parce que je vais les rapprocher, et la qualité de malade, ça vaut 50 centimes ce truc. Donc il a pris celle dans un bocal comme ça, donc voilà, elle est trop bien faite. Alors hop. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème de peinture ou quoi que ce soit. Vraiment aucun. Je vous mettrai le lien, je pense, en barre d'infos. Et il me semble que c'est pas une contre... Enfin, dites-moi si c'est une contrefaçon, mais il me semble pas, hein. Je l'ai jamais vu nulle part, ces choses-là. Et le deuxième, avec dans un petit pot blanc, ils sont trop choupis. Regardez, il y a même des feuilles sur la tête. Génial, la qualité excellente pour 50 centimes. Voilà, donc ça c'est dans le salon et c'est trop beau. Il y en a un qui a une tête plus grosse que l'autre, mais trop magnifique. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas trop de découvertes maquillage hein, chez Noz en ce moment. Ben, moi j'ai pas trouvé. Mais voilà, je voulais quand même vous partager mes achats parce que bon, ça date de maintenant quoi. Vous aurez cette vidéo une semaine après que j'aurai acheté ces produits. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous partagerai toutes les infos que je vous ai dit en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao !